protéger, bonjour. Ma vie est gestaltiste, c'est-à-dire je suis dans l'exploitation maximale de ce qui se passe ici et maintenant, dans l'importance du facteur émotionnel, du facteur créatif. Une des idées centrales de la gestalt qui m'habite, c'est la différence. Ce n'est pas la recherche de la ressemblance, mais la recherche de la spécificité de chacun, chaque culture, mais aussi chaque personne. Le droit d'être différent, même le devoir d'être différent pour enrichir. J'ai envie de mettre quelques mots là-dessus, sur le secret, la déontologie, etc. Parce que d'habitude, on dit tout ce qui se fait dans un groupe va rester dans le groupe, etc. Et là, on va le filmer. Donc, par définition, on va sortir de l'ici et maintenant traditionnel de la gestalt. Donc, au niveau du cadre, je voulais poser ça. Bon, eh bien, prenez le temps de vous regarder les uns les autres. Quelques-uns connaissent beaucoup de gens, d'autres en connaissent très peu. Prenez le temps de vous regarder tranquillement. C'est pas très poli de dévisager les gens, donc on n'a pas l'habitude de le faire, mais ici, on le fait. Essayez de voir ce qui circule entre les personnes et vous. Laissez venir ce qui vient, sans rien forcer. Qui veut commencer? Alors j'ai une chose qui m'a un peu perturbé. Mes enfants m'ont demandé d'écrire l'histoire de la famille. Parce que c'est très obscur pour eux. Hein. Ils n'ont aucune notion de tout le monde est décédé. Je suis un des rares qui a la mémoire, quoi, de plein de choses. Et j'arrive pas à le faire. Voilà. J'ai essayé et puis j'ai écrit 2-3 pages et puis je les ai déchirées. Voilà. Je trouve que c'était nul. Enfin, Et de qui tu parlais dans ce papier déchiré? Je parlais de mes grands-parents. Tu peux le décrire un peu, physiquement, comment ils étaient habillés, comment ils étaient. Mon grand-père, tu sais, tu vois la tête de Freud, hein, dans les portraits, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, avec de la barbe, avec des cheveux blancs. Un costume noir. Costume noir, voilà. Et alors, lui, il n'était pas psy, il était épicier, dans une banlieue de Vilnius. Tu vois, au bord d'une rivière, que je revois très bien. Et où il y avait des arbres qui flottaient dans l'eau, tu vois, des troncs d'arbres par milliers. C'était par commerce. C'était transporté. Le commerce du bois, oui. Voilà mes premiers souvenirs d'enfance. Oui. Oui, ça me fait une émotion, tu vois. Oui, ça c'est un moment avec lui. Oui, rappelle-toi vos balades. Oui, oui. Tout ce qui est présent dans ta mémoire. Malheureusement, il a été déporté en 42, tu vois, et puis il n'est jamais revenu. Ma grand-mère aussi, plusieurs, toute la famille, quoi, les cousins, les tantes, toute la communauté juive de Vilnius a été exterminée. Quoi. Et c'est vrai que moi je me trouve très bien à aujourd'hui, quoi, et j'ai beaucoup de mal à replonger dans ces histoires-là. Quoi. Voilà, je comprends. Voilà la première idée qui me vient. Mais je crois qu'il y a un travail plus profond à faire, qui est de pouvoir dépasser les mauvais souvenirs, de pouvoir les empêcher d'abîmer les bons souvenirs. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose là que je sens comme un obstacle entre les bons souvenirs. Si on le figurait dans cette pièce, tu veux qu'on essaye de figurer qu'est-ce qu'est un objet qui représenterait toute cette horreur, toute cette destruction. Le coussin rouge, là, je sais pas. Un coussin rouge, oui. Ouais. Ça va, ça? C'est des mauvais souvenirs. Ouais, c'est,
C'est le sang, quoi. C'est le sang. Hein, Et qu'est-ce qui pourrait représenter les bons souvenirs? Les souvenirs d'avant, les souvenirs d'enfance, ton grand-père, ta grand-mère, ton enfance. Le petit Charles préféré. Je sais pas trop, hein, un petit truc coloré. La phare, hein, voilà. Comme c'est des petits souvenirs aussi. C'est des petits souvenirs. Tourne un peu autour de ces coussins là, regarde un peu comment ça se place l'un par rapport à l'autre. Ça peut être comme ça aussi. Ça peut être comme ça aussi. C'est comment comme ça? Oui, c'est plus logique hein, comme ça. Hein. Il y a les premiers souvenirs et puis il y a les horreurs après, quoi. Et après les horreurs? Et après les horreurs, alors y a ma vie, y a eu une coupure énorme, quoi, puisque j'ai été séparé de mes parents pendant 2 ans. Je considère que j'ai commencé ma vie d'adulte à 9 ans. À 9 ans. Tu vois, j'ai décidé que plus personne ne pouvait rien pour moi et qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Voilà. Là, tu as 9 ans. Là, je serai un homme. J'ai 9 ans, donc là, à 9 ans, j'étais en classe de fin d'études, tu vois. Et je faisais les devoirs des autres contre tartines de rillettes, tu vois, pour les cartes de géographie, les rédactions, les calculs mathématiques. Ils savent ça, les enfants? Comment? Ils savent ça, tes enfants? Non. Non? Non, non. Tu vois, alors après, il y a le lycée, il y a la fac, tout ça, enfin, là, c'est bon. C'est bon. Après, je suis devenu médecin, enfin, bon, tu vois. À partir de là, ils doivent savoir à peu près. Oui, ça a des choses très... C'est pas banal, c'est pas idiot. Il y a des choses très dures, hein. C'est pas dur. Il y a eu des bombardements, tout le village a été tué, tu vois. Puis après, les Américains sont arrivés en chair et en os. Moi, j'allais dans les batteries de canons, tu sais, on demandait du chewing-gum et des chocolats. Voilà. Et j'avais commencé à faire un dictionnaire anglais-français. Tout ça, c'est des bons souvenirs. Pour dialoguer avec les Américains, oui, voilà. Tu t'étais fabriqué une bonne vie dans une vie assez... Oui, je suis étonné des ressources qu'on peut avoir dans des conditions incroyables, quoi, tu vois. Où sera la difficulté? Dans ce qui est là devant toi, est-ce que ce sera ce grand coussin rouge, ou est-ce que tu peux... Oui, ça c'est le plus dur, ça. Si je peux voir, je peux voir aucun film, ni aucun livre sur la déportation. Tu vois, Alors, te fais pas de mal, écris tout le reste. Hein, impatient d'être passé entre les gouttes, quoi, tu vois, dans des... Je suis quelqu'un qui passe entre les gouttes. Je suis quelqu'un qui passe entre les gouttes, dans des conditions incroyables. Je suis là pour raconter ça, tu vois, c'est alors que tout le monde est mort depuis. Et moi, je suis là pour raconter ça. Je commencerai par les troncs d'arbres qui flottent sur la rivière. C'est beau. Oui, c'est... Quand tu auras fini de regarder ces coussins, tu les remettras en place. Quand tu veux, tu les remets en place. Après tout, ce ne sont que des coussins. Beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la technique du travail? Est-ce que ça a été recouvert par l'émotion que vous n'avez pas pu observer? Ou est-ce que vous avez des questions à poser, des choses qui vous ont surpris? Ou... Je comprends pas tes enfants et tu demandes d'écrire ça, puisque moi je le demande aussi à ma mère, mais bon, mes manques de poils, c'est pas écrire, c'est pas lire.
Et c'est vrai qu'on a, besoin de... quand tu disais tout à l'heure, donc passant entre les gouttes, elle est passant entre les gouttes. Et moi, à chaque fois que je peux, que je vais la voir, je lui demande de me raconter, même des périodes précises, hein, du lundi au vendredi 1960 ou 1955, elle me raconte tous les détails de tout ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on en a besoin. T'as apporté un amour, un intérêt, qui a fait, moi je trouve que c'est comme c'était, ça a fait revivre pour lui aussi, s'est réveillé en fait. C'était contagieux, Je veux dire. Tu touches quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je pense à une jeune femme qui est arrivée dans un stage, c'était son premier stage, et au moment de travailler, elle a dit « Je voudrais être la personne la plus importante au monde pour toi ». Et j'ai vraiment pu sincèrement lui dire « Mais maintenant, pendant une heure, tu seras la personne la plus importante au monde pour moi. » Voilà le... dans quoi vous vous lancez si vous voulez devenir thérapeute. Nous avons tous besoin les uns des autres. Je ne suis pas la première à avoir dit ça, mais même si je suis la 100 000e, c'est une chose extrêmement importante, parce que on voit beaucoup en thérapie, les gens disent « il faudrait quand même que j'y arrive tout seul, il faudrait que j'y arrive toute seule ». Chaque fois, je réponds non, et c'est une conviction profonde pour moi. L'être humain est un être social, il est fait pour vivre en société, donc pour dépendre des autres et que les autres dépendent de lui. Alors Marie-Pascal, tu dis, avais envie de travailler sur un rêve. Oui, sur un rêve, et j'ai chaud là, parce que le rêve commence sous la terre. Sous la terre, tu t'es déjà déshabillée, tellement tu as chaud. Oui, parce que j'ai l'impression d'étouffer déjà, alors. Alors je te propose, si tu veux, dans un premier temps, tu nous racontes le rêve. Oui, j'avais l'impression d'être sous terre, mais comme une ville, comme une ville sous terre. Mais il y avait la terre quand même, je sens presque la terre dans mes mains. Mais il fallait que je monte. Et pour monter, je montais dans un ascenseur, et dans un ascenseur, un bel ascenseur. Grand. Et dans cet ascenseur, il y avait ma mère et une de mes sœurs, celle qui est juste 4 ans de plus que moi. Et j'étais pas contente de monter avec elle. Je sentais que c'était une pression pour moi. Et je remontais, et là j'arrivais au-dessus de la terre. Je voyais comme une pièce qui était l'ancienne salle à manger de ma maison de l'enfance. Et c'était très bizarre, on mangeait une galette des rois. Et le rêve se terminait, mon père ne voulait pas sa galette, et c'était une plus grande que toutes les autres, et il me la donnait. Je suis tout essoufflée. Tu es tout essoufflée, tu as raconté ça dans l'émotion, avec un rythme rapide. Ouais. Ce qui me gênait surtout, c'était ma mère et ma sœur. Elles étaient en trop dans mon rêve, elles étaient en trop. Moi, j'aurais presque envie de les enfoncer dans l'ascenseur. Ta mère et ta sœur, ma sœur, les enfoncer, les repousser. Pourtant, l'ascenseur est grand. Hein, repousse-les. Fais voir comment tu ferais ça. Fais voir l'ascenseur. Montre-nous. Il est spacieux, il est grand, il y a ma mère, il y a ma sœur. Tu veux choisir quelqu'un ou quelque chose à ton goût qui soit. Vous deux, elles sont brunes toutes les deux. Tu veux les inviter dans ton ascenseur si vous voulez bien. Et ma mère là, et moi j'étais prête. Tu peux parler au présent, là on entre dans ton rêve. Oui, je suis prête à sortir. Tu peux dire quelque chose à ta mère et ta soeur que tu imagines? Non, j'ai pas du tout envie de leur parler. Dire ça? Hein? Tu peux leur dire ça? À qui tu dis ça? J'ai pas envie que vous... Comment elle s'appelle ta soeur? Geneviève. Geneviève. Oui, tu peux dire Geneviève en la regardant ou sans la regarder comme... Non, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie de regarder. Eh bien, tu la regardes pas, tu dis tout ce que tu penses. Geneviève, Geneviève, maman, j'ai pas du tout envie que vous soyez avec moi. J'ai envie de sortir là où j'ai envie d'aller, seule. Oui, continue seule, ça, foutez-moi la paix, vous m'encombrez. Foutez-moi la paix, j'ai envie de faire seul ce que j'ai envie de faire. Ta colère. J'en ai marre, je vous sens derrière moi tout le temps. Geneviève qui a une voix encore plus forte que la mienne. Bon, ok, t'as des problèmes, on sait que t'as des problèmes, on sait que t'es fatiguée. Alors, pousse-toi,
Hein, pousse-toi, va te plaindre à maman, mais moi, non. Moi, fous-moi la paix. Si tu étais maman... Oui. Viens voir maman un instant. Tu es ta maman. Mmh. Tu as entendu Marie-Pascale, ce que vient de te dire. Prends le temps d'être maman qui a entendu Marie-Pascale gueuler. Qu'est-ce qu'elle ressent, maman, et qu'est-ce qu'elle dit? Maman, elle est perdue, quoi. Parle comme maman, en tant que maman. J'ai envie de vous écouter toutes les deux. J'ai envie que vous soyez là toutes les deux. Tu as une petite voix, là, maman. Oui. Ouais, j'ai envie que vous soyez là, j'ai envie que vous soyez présentes toutes les deux, mais c'est vrai que Geneviève prend beaucoup de place. Mmh. C'est vrai, mais... Tu parles comme maman, là. Oui. Tu admets que Geneviève prend beaucoup de place. Et je ressens que je suis perdue entre mes deux filles. Je suis perdue entre mes deux filles, oui. Oui, parce qu'elles prennent beaucoup de place. Tu as une voix plaintive, maman. Elles prennent beaucoup de place. Je suis dépassée. Ouais, ouais. Et moi-même, je ne peux pas m'exprimer. Moi non plus, j'ai entre pas de les deux, parce qu'il y a un conflit. Je voudrais donner un peu de place à l'une, à l'autre, et c'est vrai qu'il y en a une. Tu as quelque chose à dire, Marie-Pascale? Je me sens fautive par rapport à toi. Je me sens coupable, fautive, je n'arrive pas à te défendre. Pas t'avoir entendu plus petit. Redis-lui ça. Je me sens fautive, Marie-Pascale, de ne pas t'avoir entendu écouter plus, d'avoir... C'est vrai que Geneviève était là, elle faisait rire, elle parlait fort, elle coupait la parole aux autres, mais on voyait pas le reste, quoi. Je t'ai négligé. Oui, j'ai pas entendu. Ok. Tu veux revenir à ta place, Marie-Pascale? Ta maman vient de dire, je me sens pas très bien, je me sens fautive, je t'ai négligé. Geneviève a pris toute la place. Une des caractéristiques de la Gestalt, c'est l'implication du thérapeute lui-même, l'implication contrôlée. C'est-à-dire lorsque je m'implique en fonction du client avec qui je travaille, ou du groupe, si je travaille avec un ensemble de groupes, mais je m'implique avec ce que je suis moi-même, dans l'authenticité de mon ressenti, et j'utilise mon contre-transfert, c'est-à-dire mes réactions personnelles, de manière thérapeutique. Au lieu d'essayer de contrôler en vain mes sentiments, par exemple mon agacement, mon impatience, ou mon plaisir, ou ma colère, je vais au contraire y être vigilant, pour l'exploiter de manière thérapeutique dans ce qui se passe, dans l'ici et maintenant, et dans l'ici et comment ça se passe. Alors, tu as parlé de deux enfants, et peut-être on ne peut pas travailler avec les deux en même temps. Quel est celui qui est le plus proche, là, pour le moment? Le petit. Le petit, celui qui a 8 mois. Hein? Oui. Donc c'est le petit garçon? Oui. Puis tout d'un coup, il se réveille et il ne veut plus s'endormir. Il est propre, il a mangé, tout va bien, et pourtant il continue à crier. Et il a parfaitement le droit, il a ce droit-là. Et moi, je le vis parfois très mal, et c'est là que j'ai la violence qui monte. J'aurais envie de le prendre et de me dire... de le jeter et de me dire, mais tais-toi, tu m'empêches d'exister dans autre chose maintenant. Je n'ai pas envie d'être avec toi maintenant. Et c'est dans ces moments-là que la violence monte, et cette violence est très forte. Et donc je crois que mon immobilité vient de cette peur. J'ai très peur de cette colère, de cette violence. J'en ai vraiment... Oui, j'en ai très peur. Qu'est-ce qu'on pourrait te faire d'infiniment nouveau, qu'on n'aurait jamais fait ni l'un ni l'autre. Je sais pas.
comme j'en ai peur, j'ai pas envie de savoir comment aller la réveiller. Hein. Je vais pas te donner la solution, ni à moi, ni à toi, ni aux autres. Je vais juste bouger un peu pour... Et si je t'envahis, si j'envahis ta vie, si je te bouffe ton temps, si je te bouffe ton espace, si je te bouffe... Voilà, ça m'est difficile. Et là, tes yeux ont changé, là. Ce qui se passe dans ces moments-là, souvent, c'est l'envie de te mettre à terre. Vas-y, joue avec ça un peu. Ouais. Ouais, fais. Si je dirais stop, si c'est trop. D'accord. Non, ça ne va pas, ça me rend malheureux. Ça te rend malheureux? Oui. D'avoir ça comme pour un enfant de 8. Ça fait deux fois que je veux dire 8 ans. Pour un enfant de 8 mois, je suis une pieuvre, moi d'ailleurs. Ok, je vous dis l'image. J'ai développé très fort un côté pieuvre. Tes yeux. Ah ouais, ils sont comme des yeux. Alors si je suis une pieuvre, t'as des yeux comme des. Tu sais, des tridents là. Tu sais, ma. Crac. Je me sens idiot là maintenant. Continue à bosser si tu peux. Alors, par rapport à cette implication contrôlée du thérapeute, parfois on nous renvoie que c'est une situation difficile, qui pourrait même être dangereuse, entre guillemets, c'est-à-dire comment le thérapeute peut-il ne pas projeter sa propre réalité, ses propres solutions, sa propre histoire, en l'apportant d'une façon trop arbitraire au client, en particulier comment ne pas donner de solution. Alors, là, pour ça, tous les thérapeutes se mettent en supervision. La supervision, c'est le domaine dans lequel nous pouvons essayer de contrôler, essayer de mieux comprendre ce qui nous appartient et ce qui est à dire ou à partager au service du client. Ce que tu viens d'évoquer à propos de son fils de 8 mois, tu as 18 ans tout à l'heure, je me demande si cet enfant n'a pas pris sa place. Et ce que je peux associer, c'est que moi-même j'ai 4 enfants, dont 3 garçons sur 4. Le petit dernier a 10 ans, donc 8 ans, 10 ans, c'est la même... et que en ce moment, c'est un enfant qui cherche sa place. Mais est-ce que par ailleurs... 8 ans pour toi signifie autre chose que cette association avec l'âge de ton fils. Je te vois venir. 8 ans, ça doit être à peu près le temps où je suis devenu directeur de l'EPG. Quoi. Voilà. Fait choisir la gestalt, c'est la place réservée au thérapeute, c'est-à-dire j'ai trouvé que j'avais de l'espace et j'avais de l'espace pour développer un style qui m'est propre. En voyant aussi les gestalt thérapeutes que j'ai rencontrés dans les congrès, j'étais vraiment rassurée de voir qu'ils ne se ressemblaient pas. C'était vraiment c'est comme ça que j'ai choisi, c'est-à-dire vraiment le fait qu'ils ne se ressemblent pas, c'est donc que je vais pouvoir développer mon style propre et travailler avec ce que je suis. En fait. Centre sur mes élèves, le message le plus important que j'ai toujours eu envie de leur passer, que j'ai essayé de leur faire passer, de leur dire avec beaucoup de force, c'est en toute modestie, c'est le message de la pitié de Delphes. Sur le fronton à Delphes, il y a le message de la pitié qui est « Je ne cache rien,
Je ne montre rien, je fais signe. Thank you.